les marchés dysfonctionnent. Ce dysfonctionnement des marchés implique que l'on étudie un peu plus sérieusement les comportements des agents. Ces comportements dysfonctionnent plus fréquemment sur les marchés financiers. J'avais souligné que l'Europe telle qu'elle était conçue ne pouvait pas fonctionner, qu'il lui fallait un gouvernement fédéral, car si l'Europe était frappée par un choc commun, il n'y avait aucun système de gouvernance qui lui permettait de l'affronter. J'ai deux souvenirs de Jean-Paul. Le premier, c'est ma rentrée à Sciences Po. En 97, j'étais en première année et il était le grand prof en amphi Boutmy. Il avait une manière à la fois bienveillante, extrêmement pédagogue et parfois même humoristique de nous parler d'Adam Smith, de Keynes. Et mon deuxième souvenir, c'est quand j'ai décidé d'être candidat à la direction de Sciences Po, je me suis rapproché de toute une série évidemment de professeurs, d'acteurs de Sciences Po, et il a été extrêmement de bons conseils pour moi. Jean-Paul Fitoussi est un grand économiste qui a marqué aussi bien le débat français, le débat européen et international. Il avait ce mélange de vision de l'économie dans les sciences sociales, une approche humaniste, on va dire, de l'économie qui permet de penser la dimension sociologique, la dimension humaine de l'économie. Et c'était aussi un constructeur. Quand il a pris la présidence de l'OFCE, il lui a donné à la fois une rigueur technique, dans les prévisions, dans le chiffre social, à la fois une intervention dans le débat public extrêmement présente, avec beaucoup de pédagogie, et en même temps une vision intellectuelle sur le rôle de l'économie dans l'Europe, l'évolution de l'Europe, l'évolution des institutions et l'évolution tout simplement du débat politique pour la construction européenne. Jean-Paul Fitoussi, c'était un président de l'OFCE qui était visionnaire parce qu'il savait développer des projets, y compris sur des champs qui n'étaient pas ses champs de recherche. Typiquement, quand on est venu le voir, Françoise Minevski et moi, pour lui proposer ce grand programme transversal d'études sur le genre à Sciences Po, il a tout de suite compris que c'était à la fois extrêmement stratégique pour Sciences Po et que c'était important que l'OFCE soit partie prenante du développement de ce programme. Il nous a soutenus. Il est venu avec nous dans toutes les réunions avec Richard Descoings, Bruno Latour à l'époque. Et évidemment, quand Jean-Paul Fitoussi vous soutient, vous avez toujours au moins un prix Nobel derrière vous. On a eu la chance de rencontrer Amartya Sen, qui a fait tout de suite partie du comité scientifique de Présage. Et ce soutien de Jean-Paul Fitoussi, sans ce soutien, en fait, ce programme n'aurait jamais pu voir le jour. Sciences Po. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement honoré, mais surtout ému, d'introduire la seconde partie de cette journée en hommage à celui qui nous réunit aujourd'hui, Jean-Paul Fitoussi. Je remercie d'abord vivement le directeur de l'OFCE, Xavier Rago, Lisa Fitoussi et la famille Fitoussi, ainsi que tout le comité d'organisation qui a conçu et structuré à la fois sur le plan du fonctionnement et sur le plan académique, ce déroulement et cette journée avec un si prestigieux parterre d'invités. Je remercie en particulier deux invités d'honneur que nous avons, qui nous ont fait l'amitié de traverser l'Atlantique, les deux prix Nobel, Edmund Phelps et Joe Stiglitz. Je vous propose de les applaudir. Évidemment, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accepté de participer à ces 8 sessions d'une très grande richesse. Ces 8 sessions rendent et vont rendre pleinement hommage à Jean-Paul Fitoussi, à l'œuvre comme à l'homme, et le font de la meilleure des manières, c'est-à-dire par la pensée, c'est-à-dire par le débat. Je le dis dans cette petite vidéo, moi j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Fitoussi sur ces bancs où j'étais assis comme vous, comme étudiant en 1997, et il m'a fait à la fois comprendre et aimer l'économie. Par la suite, je l'ai connu à la fois dans la phase de candidature et comme directeur, et il m'a donné beaucoup de conseils, je l'ai beaucoup côtoyé. Nous avons beaucoup échangé, et j'ai pu apprécier à cette occasion, évidemment, ce que vous connaissez toutes et tous, son intelligence immense, sa finesse d'esprit, sa grande droiture, sa bienveillance et son sens si élevé de l'amitié. En fait, quand je
rencontrait différents académiques, et c'est assez rare, il y avait une forme d'unanimité sur Jean-Paul. Personne ne disait du mal de lui. Ce n'est pas parce qu'il avait des idées du milieu ou un propos qui n'était pas suffisamment arrêté, c'est parce qu'il avait une bienveillance et une intelligence dans la manière de dialoguer, de débattre, qui faisait qu'il était difficile de lui en vouloir, même quand votre avis était contrairement orthogonal, complètement orthogonal par rapport au sien. D'autres que moi aujourd'hui vont évidemment mettre en lumière le très large spectre de l'œuvre de Jean-Paul, rappeler à la fois son rayonnement scientifique, intellectuel, mais aussi son influence politique. Car Jean-Paul a toujours eu à cœur d'avoir une influence sur le réel, et y compris sur les politiques publiques. Pour ma part, je voudrais juste replacer son rôle totalement fondamental au sein de notre institution, au sein de Sciences Po. Jean-Paul a, vous le savez, servi beaucoup d'institutions en France et en Europe. Il avait une affection toute particulière pour l'Italie. Mais c'est à Sciences Po que nous avons eu le privilège de bénéficier le plus longtemps et, j'allais dire, le plus profondément de ses statuts, de son talent et de son engagement. Il a été pendant près de 35 ans l'un des architectes les plus inspirés et les plus déterminants de notre établissement. Tout d'abord, il a contribué à faire à Sciences Po de l'économie une grande, très grande discipline. Bien entendu, en président et en faisant rayonner l'OFCE, en faisant rayonner aussi la pensée keynésienne, mais aussi en portant sur les fonds baptismaux, puis au pinacle, notre département d'économie, et il a fait tant et tant de magnifiques recrutements. Philippe Martin, avec qui je faisais le chemin hier jusqu'au restaurant qui nous a réunis en hommage à Jean-Paul, me rappelait comment Jean-Paul avait réussi à le recruter. Deuxièmement, il fut aussi un acteur central de la vie de notre institution. Il a présidé le conseil scientifique de 1997 à 2010. Il a été un membre très important du conseil d'administration de la Fondation, représentant des fondateurs pendant 20 ans. Il a contribué très activement à la mutation de notre maison en université de recherche internationale. Et jusqu'au bout de son mandat, il a commencé à préfigurer l'avenir de notre maison. Enfin, je tiens à rappeler cette contribution déterminante qu'il a eue et qui est peut-être un peu moins connue, la réforme de nos droits de scolarité. En 2003 est créée alors la commission Fitoussi, demandée par un de mes prédécesseurs, Richard Descoings, pour faire en sorte que la justice sociale dans les frais de scolarité soit davantage puissante à Sciences Po. Cette réforme, qui était basée sur le principe de progressivité absolue du montant des droits de scolarité en fonction des revenus des familles, en évitant les effets de seuil, reposait sur une politique à la fois très large d'exonération et en même temps de redistribution en faveur des étudiants les moins favorisés socialement. C'était une politique, c'était une réforme audacieuse et pionnière, et elle a été depuis lors imitée par de nombreux établissements en France et à l'étranger. Jean-Paul savait qu'il est peu d'enjeux plus importants que la démocratisation de l'accès aux institutions d'enseignement supérieur. Il était pleinement convaincu qu'il s'agissait là d'un sujet crucial, placé au cœur de l'avenir des universités, mais aussi de nos sociétés, et que c'était aussi, sans doute, un des remèdes à la crise. Pour Jean-Paul, aussi longtemps que l'enseignement supérieur ne serait pas ouvert à toutes les intelligences, d'où qu'elles viennent, socialement, géographiquement, nos démocraties demeureraient inachevées. C'est pourquoi il fut donc l'un des artisans majeurs de la politique de justice sociale à Sciences Po, qui en fait aujourd'hui une institution où la pluralité des horizons est une exigence, car sans elle, il ne peut y avoir d'excellence véritable et durable. Je rappelle un chiffre qui est quand même très significatif. Depuis 20 ans, nous avons multiplié par 16 le nombre d'étudiants, de parents, ouvriers ou employés. Multiplication par 16. Économiste brillant et engagé, reconnu par ses pairs internationalement, respecté et aimé par des générations et des générations d'étudiants, et j'en témoigne aujourd'hui, consulté et écouté par les plus hauts responsables politiques, Jean-Paul Fitoussi était non seulement une des grandes figures françaises contemporaines de sa discipline, mais aussi l'une des personnalités les plus éminentes de notre institution. C'est d'ailleurs pourquoi, tout à l'heure, à 18h, nous inaugurerons une salle en son nom à la fin de la journée, et pas n'importe quelle salle, puisqu'il s'agit de la magnifique salle de séminaire du département d'économie dont il fut l'un des créateurs. Nous travaillons par ailleurs avec ses enfants, avec Lisa, avec David, à la création d'une bourse Jean-Paul Fitoussi qui verra bientôt le jour. Jean-Paul n'a pas seulement rendu notre institution plus brillante, il l'a rendue aussi plus juste, plus universelle. À travers moi,
C'est tout Sciences Po qui veut lui témoigner aujourd'hui et au-delà de ce jour, avec force, à la fois son admiration, son amitié et sa gratitude. Je vous remercie. Avoir des sociétés sans travail. Alors, évidemment, la première chose qui vient à l'idée, c'est que les sociétés sans travail sont des sociétés sans revenus. Comment acheter si on ne travaille pas et si on n'a pas un revenu du fait du travail ? Donc, elles ne peuvent exister, et c'est là le paradoxe de cette histoire, là aussi fantasmé de la fin du travail, c'est-à-dire ça ne peut fonctionner que sous un régime de planification centralisée. Il n'y a plus de travail, donc les machines s'agitent, et comme on a des moyens en calcul formidables, on va pouvoir exactement allouer les biens aux besoins de la façon la plus fine possible, ce dont on était incapable. Je voulais simplement vous dire deux choses. La première, c'est que j'avais 20 ans quand j'ai épousé Jean-Paul. Il en avait 21. Une de mes tantes m'a dit, il est d'une famille modeste, il n'a pas fini ses études. Une cousine m'a quand même dit, il n'a pas de scooter, même pas de voiture. Alors j'ai dû répondre quelque chose, évidemment. J'ai dit, je l'épouse pour son avenir. Ensuite, nous sommes partis à Strasbourg. Nous avons fait des études à Strasbourg. Et là, nous nous sommes trouvés au milieu de jeunes qui tous savaient ce qu'ils allaient faire. L'un allait reprendre l'entreprise paternelle, l'autre allait succéder à son père. Et Jean-Paul, quand on lui posait la question, qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Il répondait, je vais être président directeur général des bazars de Sao Paulo, c'est évident. Et finalement, l'avenir n'est jamais écrit. Et c'est ça le message que Jean-Paul laisse. Il n'est même pas prévisible. Merci. Bonjour, bonjour à tous et toutes. La tâche m'est un peu plus difficile de parler après Annie, mais je suis vraiment très, très heureuse d'être ici et aussi très, très émue. Vous pouvez peut-être l'entendre de ma voix. Je suis journaliste, donc je ne suis pas économiste, donc je plaide non coupable. Je suis correspondante pour la presse italienne d'un journal, Il Messaggero, le journal de Rome, donc c'est un journal généraliste, depuis 30 ans. Et j'ai interviewé Jean-Paul Fitoussi, depuis 30 ans, je pense, au moins 1000 fois, comme j'écris après dans l'introduction d'un petit livre qu'on a écrit ensemble. Et dans le cadre de mon travail, l'exercice de l'interview, c'est peut-être le plus difficile. Difficile pour le journaliste et difficile pour l'interviewé. Notamment pour un journal, quand on interviewe un économiste, pour un journal généraliste, quand on a 60 lignes pour analyser l'énième crise ou l'énième sommet européen de la dernière chance. Combien de sommets de la dernière chance Jean-Paul a accepté de commenter et analyser avec moi ? Eh bien, il a survécu à cet exercice de l'interview de 60 lignes, 70 parfois, d'une façon mirable, parce qu'il avait, comme il a été dit, et peut-être il n'est pas dit assez souvent, parce que sa personnalité prend souvent le dessus, un arsenal théorique, une capacité d'analyse, une compétence, une valeur d'économiste incroyable. Je sais que vous le savez,
Mais quand on est journaliste comme moi et qu'on doit résumer, c'est quelque chose de vraiment très rare d'avoir. On s'est rencontrés, on s'est parlé au téléphone tellement de fois qu'à un certain moment, on a décidé de faire une interview un petit peu plus longue et en fait d'écrire un livre ensemble. Quel honneur pour moi. C'est d'ailleurs prétentieux de dire qu'on a écrit ensemble parce que moi, j'ai posé les questions et Jean-Paul répondait. Et je peux vous dire que là, quand on commence à poser des questions à Jean-Paul aussi, ça peut être assez dangereux et même très drôle. On s'est rencontrés pendant environ un an et demi, au rythme d'une fois toutes les deux semaines, avec des intervalles, dans son bureau, sous les toits. C'était le bureau de l'économiste bohémien, je le disais, à Sciences Po. Il adorait vraiment Sciences Po. Je pense, j'avais l'impression qu'il se sentait vraiment chez lui. C'était comme la maison. Et il est né ce livre qu'on a écrit donc, ensemble, et que c'est peut-être le seul qu'il avait publié, le premier qu'il publiait directement en Italie, en italien. En langue italienne, l'Italie c'est son second pays, dont le focus c'était la langue. C'était un sujet qui le passionnait à ce moment, qui l'a peut-être passionné les derniers temps. Et passionné c'est peut-être pas bien dit, parce que c'était une réalité qui le tourmentait. Je pourrais dire qu'il en souffrait presque du fait de voir les décideurs. D'ailleurs c'est pas un mot qu'il aurait utilisé. Je peux dire que d'après qu'on a fait ce travail ensemble, je fais attention à tous les mots que je dis et j'ai toujours l'impression de l'entendre dire « Ah, fais attention ». C'est un mot de la nouvelle langue. Même quand c'était la pandémie, quand c'était appelé, je lui avais dit, comme disait tout le monde d'ailleurs, c'est une sidération, on est sidéré. Il m'avait dit, ah Francesca, ça c'est un mot de la nouvelle langue. Et j'ai dit, quand même, tu exagères. Et je me suis un peu, je dis, mais combien de mots a cette langue? Et en réalité, il y en avait beaucoup, en effet. Parce qu'il n'en venait pas de voir tous ces économistes, de faiseurs de politique économique, si on ne va pas appeler des décideurs, se retrouver, selon lui, prisonnière des doctrines. Doctrine, c'est un mot vraiment qu'il détestait, c'est-à-dire doctrine, pas théorie, auquel on attribuait une sorte de valeur ultime et qui devenait de fait un cadre aveuglant. Pour cette raison, le débat qu'on fait aujourd'hui, ça me semble vraiment le cadre le plus juste pour lui rendre hommage. Encore mieux, pour faire vivre sa pensée, son approche, sa méthode. La pensée de Fitoussi, c'est une conviction que j'ai vraiment mûrie à force de le rencontrer, ne demandait, comme il a été dit d'ailleurs, d'être d'accord avec lui, et je pense que les désaccords avec lui, c'était beaucoup, c'est normal, avait une force de ses convictions qui amenait au débat. Mais la pensée de Fitoussi, je me suis dit, c'est vraiment un exercice, c'est un échange qui demandait une sorte de disponibilité. Disponibilité, c'est un mot qui peut vous sembler trop sentimental, mais en fait, je pense que c'est une vraie approche intellectuelle. Donc, comme je dis, je ne suis pas économiste, je le répète, mais cet aspect d'une pensée disponible et qui peut être fatigante et qui parfois peut nous mettre en danger, je pense qu'il soit un des plus beaux cadeaux qui nous laisse Fitoussi. Donc, dans ce cadre de mise en doute, peut-être des doctrines, je laisse la parole aux intervenants de ce panel, dont le titre « Quelle politique pour quelle croissance pourrait sembler vraiment vaste comme l'univers, mais que je pense résume très bien, surtout dans les points d'interrogation final. Donc, dans ce cas, d'une forme d'ouverture au dialogue. Donc, je laisse la parole d'abord à Philippe Martin. Il y a quelque chose que je voulais aussi ajouter, excusez-moi, deux secondes. Et c'est ça, que j'ai rencontré plein de gens ici. Moi, je suis un peu un intruse, donc je n'ai pas fait Sciences Po. Je suis désolée, et comme je dis pour la troisième fois, je ne suis pas économiste. Mais j'ai l'impression que tout le monde ici, sauf peut-être les prix Nobel qui sont présents, ont été recrutés par Jean-Paul Fitoussi. Tout le monde me dit, j'ai été recrutée par Jean-Paul Fitoussi. Ben, d'abord, je comprends pourquoi le chômage, c'était son obsession, mais non. Mais je pense aussi que ça nous révèle vraiment sa grande qualité, vraiment, attention, écoute, attention à la personne, que je pense que ce n'est pas gnagnais de le dire. Il pensait que ça devait être au centre de l'analyse économique. Bon, cette fois, c'est tout. Philippe Martin, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Martin, je suis
économiste, donc je ne vais pas m'en excuser exactement. Et je suis le doyen de l'école d'affaires publiques. Et je voudrais commencer par des souvenirs personnels, évidemment, avec Jean-Paul. J'ai été son étudiant. Je pense qu'il y en a pas mal ici dans cette salle qui l'ont été. Il a été le président du jury d'agrégation grâce auquel je suis devenu professeur d'université. Et puis surtout, je pense que c'est ça qui est le plus important, et Mathias y faisait référence tout à l'heure, c'est grâce à lui que je suis devenu professeur à Sciences Po, puisque c'est lui qui m'a recruté. En effet, il a recruté énormément de gens, et bon, sauf pour moi, je ne vais pas le dire, il a eu, je pense, il a fait d'excellents choix sur ses recrutements. Alors, une anecdote, c'est que je me rappelle très bien, c'était un samedi matin, il m'appelle et il me dit, Philippe, donc j'étais professeur à la Sorbonne, le département d'économie n'existait pas, et je vais en dire un mot parce que c'est important, à ce moment, il y avait l'OFCE bien entendu, mais il y avait très peu d'économistes professeurs d'université à Sciences Po, c'était un tout petit département. Et à ce moment-là, l'école d'économie de Paris était en train de se créer. C'était Thomas Piketty qui crée l'école d'économie de Paris. Et donc, la concurrence s'organisait, entre guillemets, du même côté de la Seine, mais pas très loin, mais elle était assez forte. Et à ce moment-là, donc, il m'a fait cette offre de venir et j'ai hésité et j'ai même refusé. J'ai refusé parce que je me suis dit, finalement, Sciences Po, c'est pas encore évident qu'ils vont réussir de ce point de vue en termes de recherche académique avec un département d'économie un petit peu, et que peut-être, c'est peut-être du côté de l'école d'économie de Paris plutôt qu'il faut rester. Et toute la journée, je me suis senti un peu frustré. Et l'après-midi, je l'ai rappelé et je lui ai dit, Jean-Paul, tu m'as convaincu. Et je pense que la bienveillance dont je crois Mathias a parlé, la bienveillance de Jean-Paul était telle que c'était difficile de résister. Parce que je veux dire aussi, Jean-Paul, c'était quand même un grand charmeur. Hein, je crois que je peux le dire aussi, vraiment, c'est une sorte de charme qui envahissait toutes nos conversations. Et évidemment, ça a joué sur moi et ça a réussi. Donc, je suis venu et évidemment, je ne regrette pas du tout ce choix. Juste un mot aussi sur la création du département d'économie qui doit énormément, évidemment, à Jean-Paul, mais aussi à Richard Descoings et encore une fois aussi à Thomas Piketty. Et c'est là où la concurrence peut-être a du bon, parce que finalement, il y a eu un déjeuner où Richard Descoings a invité Thomas Piketty, qui venait de créer l'école d'économie de Paris. Et Richard Descoings dit à Thomas Piketty, avec l'assurance que pour certains vous vous en rappelez, évidemment, Sciences Po sera une des institutions de l'école d'économie de Paris. Et Thomas Piketty, avec sa franchise et une certaine agressivité, disons, dit, mais pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas de département d'économie. Et au sortir de ce déjeuner, Richard s'est tourné vers Jean-Paul et a dit il faut faire quelque chose. Et Jean-Paul, avec son côté très stratégique, a compris que c'était une opportunité formidable. Lui qui voulait créer ce département d'économie, là, il voyait la création de l'école d'économie de Paris. Et c'est en effet grâce à la création de l'école d'économie de Paris aussi qu'a été créé le département d'économie pour répondre. Et de ce point de vue, je peux vous dire que, évidemment, quand je suis parti de l'école d'économie de Paris et certains d'autres aussi, ça a été un petit peu difficile, mais on nous prévoyait un avenir sombre à Sciences Po, au département d'économie. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour dire la réussite du département d'économie, mais quand même, je trouve que ça a été, de ce point de vue, une énorme réussite, et évidemment, grâce à Jean-Paul, qui a eu le flair, à ce moment-là, de comprendre que c'était le bon moment de créer ce département. Donc voilà, ça, c'est mes souvenirs personnels de Jean-Paul. Et encore une fois, le charme, la bienveillance et l'immense intelligence sont les trois qualités qui pour moi, restent très, très, très fortes quand je pense à Jean-Paul. Alors, on m'a demandé aussi de parler de la situation actuelle. Et évidemment, je me suis posé la question, bon, dans la crise actuelle, qu'est-ce que Jean-Paul, comment Jean-Paul réfléchirait à la situation actuelle ? Et je me suis dit, non, c'est trop difficile, parce que justement, Jean-Paul allait assez souvent là où on ne l'attendait pas.
C'est-à-dire que, évidemment, il était keynésien, donc on s'attendait à des réponses toujours du côté keynésien. En fait, c'était beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça. J'ai vu Jean Pisani-Ferry a dit de Jean-Paul, et je trouve que c'est très juste, que c'était que sa réflexion, enfin sa pensée économique, c'était de l'hétérodoxie disciplinée. Et j'ai trouvé que c'était une bonne expression. Donc je vais essayer d'aller sur ce fil de l'hétérodoxie disciplinée sur la réflexion de ce qui se passerait aujourd'hui face à la crise énergétique en particulier. La partie hétérodoxe dans la stratégie macroéconomique actuelle, en particulier en France, c'est quand même qu'on utilise l'outil budgétaire pour contrer l'inflation et qu'au moins au début de la crise, l'outil monétaire n'a pas été utilisé. Donc il y a eu une sorte de renversement des objectifs, enfin de l'utilisation des instruments, où l'instrument budgétaire et en particulier tout ce qui était les price caps, les réductions de prix sur l'essence, le gaz, le bouclier tarifaire, sont pas des outils très orthodoxes et a priori les économistes classiques ne seraient pas les premiers à recommander ce type d'outils pour diminuer l'inflation, puisque on peut réfléchir en termes de coûts et de bénéfices de cet outil, mais c'est ce qui fait que l'inflation en France aujourd'hui certainement est inférieure au moins de 2 ou 3 points par rapport à la zone euro. Donc d'un point de vue macroéconomique, c'est très clairement un gain. Et en termes de compétitivité aussi, potentiellement, il y a des gains qui viennent du fait que l'inflation est plus faible, l'augmentation des salaires est plus faible. Je regardais les prix à la production en France, ils sont un point en dessous d'augmentation par rapport au reste de la zone euro. C'est, je ne dis pas quasiment ce qui a été fait avec le CICE, mais ce n'est pas très loin en termes de gains de compétitivité. Alors évidemment, il y a des limites, et c'est là où la partie contrainte après l'hétérodoxie vient. La limite, et je pense que Jean-Paul y aurait évidemment réfléchi, c'est à quel point ce type d'instrument n'est pas très égalitaire, n'est pas très équitable, puisque le bouclier tarifaire, la baisse des prix sur l'essence, sur ce qui a été fait sur les rabais, et on l'avait montré d'ailleurs au Conseil d'analyse économique, bénéficient beaucoup évidemment aux ménages qui en ont le moins besoin, puis ce sont aussi des ménages qui consomment beaucoup d'essence, et donc en particulier le rabais sur l'essence a été quelque chose qui a bénéficié davantage, en tout cas en euros, aux ménages les moins modestes. La deuxième contrainte, c'est le coût budgétaire, qui, je pense, fait qu'en effet, cette politique n'est pas soutenable à terme. Et on voit bien d'ailleurs que le gouvernement est en train aujourd'hui d'essayer de, si ce n'est de changer complètement de stratégie, au moins de la modifier. Et puis, dernier point, et je pense que c'est aussi quand même un problème par rapport à cette stratégie, c'est sur la question de l'efficacité énergétique. On avait cette discussion avec François Girolf juste avant sur la question de à quel point le signal prix joue ou pas sur la consommation d'énergie, et puis pour préparer évidemment la transition énergétique. Et pour ma part, en tout cas, je pense quand même que ce signal prix, il est important de le préserver, en partie au moins. Alors après, on peut se poser la question si on laisse les prix du gaz, de l'électricité, de l'essence augmenter alors pour gaz et électricité potentiellement de 100%, est-ce que l'élasticité prix, elle est la même quand on a une augmentation de 100% ou quand on a une augmentation de 20%? Ce à quoi je ne sais pas répondre, parce que je pense qu'on n'a pas encore des données très, très, très précises là-dessus. Donc voilà, je pense que de ce point de vue, en termes d'hétérodoxie disciplinée, j'aurais tendance à penser que la discipline va faire qu'on va être obligé de changer la manière dont on cible cette réponse à la crise énergétique. Mais dernier point, je pense que la question de la manière dont on gère la crise énergétique, elle est évidemment importante à court terme, mais elle est, à mon avis, absolument cruciale aussi sur le moyen et long terme. Dans l'industrie,
Je crois que il y a vraiment des phénomènes d'hystérésis extrêmement importants, et on l'a vu au moment de la désindustrialisation, en particulier dans le secteur automobile, quand on commence à perdre de l'industrie, potentiellement à cause d'un choc de coût qui est temporaire, même peut-être persistant, les effets, ils peuvent être permanents. Et en particulier parce que l'industrie, c'est le domaine où il y a énormément d'économies d'échelle et où donc, potentiellement, si vous perdez une partie de l'industrie, il est très difficile ensuite de la faire revenir. Donc voilà, c'est quelques réflexions, mais juste pour dire à quel point, enfin, je reviens évidemment sur Jean-Paul, je pense que les réflexions de politique publique que le gouvernement a aujourd'hui sont en effet une sorte de mélange à la fois d'hétérodoxie et puis de discipline budgétaire. À la fin, et on peut peut-être le regretter, je pense que la discipline budgétaire va faire que cette stratégie qui a été mise en place va être ciblée très fortement sur, et on l'a appris d'ailleurs dès ce matin, sur des transferts forfaitaires qui vont générer moins de ces effets potentiellement inefficaces et inégalitaires. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour le souvenir personnel. Maintenant, moi, j'écoute tous les discours des économistes parce que j'ai décidé de dire au moins 10 fois aujourd'hui que je ne suis pas économiste, mais sous la lente de la nouvelle langue. Donc déjà, orthodoxie et hétérodoxie, ça passait difficilement. Il a été super parce qu'il n'a pas dit réforme structurelle. Alors là, moi, je me suis faite démolir 1000 fois par Jean-Paul Fitoussi. Donc même la dire maintenant, ça me fait un peu trembler parce que c'était interdit complètement, parce que ça n'existait pas de réforme structurelle. Mais même sur keynésien, il avait quand même ce mot à dire. Donc je passe la parole à Mathilde Lemoine, elle aussi recrutée par Jean-Paul. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Donc comme vous tous, je suis vraiment très émue d'être là. Jean-Paul Fitoussi m'a recrutée il y a 23 ans, m'avait recrutée il y a 23 ans. Et au-delà des échanges d'économie, j'ai été secrétaire générale de l'OFCE. Et donc ce qui est émouvant aussi, c'est qu'il a créé une communauté qui dépasse les années et qui fait que même quand on se retrouve 20 ans après, on est heureux de se revoir. Et donc je crois que ça c'est quelque chose qui nous a transmis et qui nous a légué. L'autre chose aussi, c'est qu'il donnait confiance. Et je peux vous dire que pour une jeune fille qui voulait être économiste, d'avoir quelqu'un qui, à cette époque, fasse comme si c'était tout à fait normal qu'une jeune fille puisse être économiste et puisse avoir des ambitions, c'était vraiment rare. Et quand Xavier et Lisa m'ont proposé de participer à cette table ronde avec comme thématique quelle politique pour quelle croissance, qui est évidemment très très simple, hein, c'est quelque chose auquel on peut tous répondre. D'ailleurs, on a la solution, ça se voit, puisque c'est appliqué par tous les gouvernements dans le monde entier. Je me suis rappelé immédiatement ce que disait Jean-Paul Fitoussi, et il disait rien n'est impossible. Et la question, c'est la méthode, c'est-à-dire comment on va essayer d'aborder le problème. Et une de ces grandes phrases, d'ailleurs, que je cite, ce que nous mesurons détermine ce que nous faisons. Et en matière de croissance, c'est aussi pour ça qu'il a voulu aller au-delà de la mesure du PIB, bien évidemment, très, très au-delà. Et donc, pour donner des éléments sur cette grande question, quelle politique pour quelle croissance, malheureusement pour moi, parce que c'est un champ que je maîtrise mal, on ne peut pas se contenter de la croissance du PIB. Quand on rend hommage à Jean-Paul Fitoussi, et il faut aller au-delà, et notamment sur des questions qui lui sont chères, qui étaient ce qu'il appelait les différentes formes de capital, le capital humain, le capital économique privé et public, le capital social, donc cette fameuse confiance dans l'économie, mais aussi qu'il a donné, je crois, à des générations entières d'étudiants et de jeunes, le capital d'adhésion à la démocratie qui lui était cher, et puis tout ce qui, évidemment, tourne autour du capital naturel. Donc, une fois que j'ai dit ça, je me dis, mais comment je vais sortir de cette question extrêmement ambitieuse, mais qu'on doit traiter.
Alors, un des rapports fondateurs, je trouve, pour tous, ça a été évidemment le rapport Blanchard-Fitoussi. Pourquoi ? Parce que justement, sur un sujet aussi vaste, en fait, c'était vraiment sa façon de faire, il arrivait avec une toute petite équation très, très simple à mettre l'ensemble des problématiques de croissance. Et dans ce, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans ce rapport Blanchard-Fitoussi, Jean-Paul Fitoussi, évidemment, avait commencé par le constat, par essayer de mesurer le problème. Donc, c'était quelque chose qui rassure. Déjà, ça redonne confiance. On se dit, on va finalement réussir à traiter le sujet. Et puis ensuite, une fois qu'on avait posé le diagnostic, qu'on avait mesuré en fait le problème, la question était quel devait être le rôle de la politique économique. Donc je me dis, voilà, ça y est, j'ai trouvé en fait des éléments de Jean-Paul Fitoussi qui vont m'aider à répondre à la question qui est posée. Et donc, évidemment, si on adapte aux problématiques d'aujourd'hui, on a toujours comme problème le ralentissement de la productivité potentielle. Alors, on a l'accroissement des inégalités avant redistribution. On a le ralentissement de la population en âge de travailler, parce que dans cette fameuse équation très très simple qui donnait l'alpha et l'oméga de la croissance potentielle et de la croissance effective, Jean-Paul Fitoussi insistait énormément sur la population en âge de travailler. Donc c'est des problématiques qui aujourd'hui sont factuelles, sont absolument pas adressées dans le débat public, et donc je trouvais intéressant de le remettre sur le devant de la scène. Alors ensuite, on peut ajouter évidemment la mesure de la dégradation du capital naturel qui était cher à Jean-Paul Fitoussi. Une fois qu'on a fait ce constat, quelle politique pour quelle croissance ? Donc évidemment, ce qui nous réunit tous, je pense, ici, c'est une croissance soutenable. Je crois que ça paraît évident. Et ensuite, quelle politique ? C'est là où aussi je trouvais intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de dogmatisme. Et dans ce rapport, on voit bien qu'il considère que l'offre comme la demande sont importantes. Et bien sûr, il y a les contraintes il met en avant les contraintes de capital. Donc, si on adapte à la situation d'aujourd'hui cette analyse, c'est vrai qu'une des faiblesses en fait de la France notamment, mais de l'Europe plus généralement, c'est d'avoir une productivité du capital qui est relativement faible et une accumulation du capital qui est insuffisante. Alors souvent, quand vous dites ça au gouvernement, ils vous disent mais le taux d'investissement est très élevé, ben forcément le PIB est faible, donc ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment cette idée aussi que même s'il y a une insuffisance de la demande qui persiste, la contrainte de capital joue un rôle sur la perspective de moyen terme et la capacité justement à faire une croissance soutenable. Et je voulais mettre en avant cette problématique parce que c'était, de mon point de vue, aussi rendre hommage à cette capacité qu'avait Jean-Paul de ne pas se laisser enfermer. Et donc, comme le disait Philippe Martin, ce n'est pas parce qu'il est keynésien que les contraintes d'offres n'étaient pas importantes à regarder. Donc, quelle politique pour quelle croissance ? Si on regarde ces éléments un peu plus iconoclastes, si on regarde vraiment le côté accumulation du capital et contrainte de capital, on voit bien qu'un des sujets mis en avant dans ce rapport, c'est le fait que l'investissement s'adapte à la faiblesse de la croissance. Et donc, c'est de ce point de vue-là qu'on pourrait mettre dans le débat public une orientation plus concernée, je dirais, sur le problème de la contrainte du capital et peut-être dans quelle mesure cette contrainte participe, peut-être pas au chômage, dans la mesure où le chômage est aujourd'hui un peu moins à la mode, mais à une certaine paupérisation et un certain accroissement des inégalités avec un marché du travail qui devient de plus en plus dual. L'autre élément aussi qui me paraissait très très important, c'était de mettre en avant le risque d'une politique d'augmentation des taux d'intérêt. Donc je sais que ça a été déjà évoqué ce matin, et ça fait le lien avec cette problématique de contrainte du capital, puisque donc il écrivait déjà en 92, et l'histoire se répète, que le problème c'était vraiment l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation
l'augmentation des taux d'intérêt et l'appréciation du dollar. Et ce texte de 1992 qui s'appelait « L'Europe, le chômage » est complètement d'actualité et on peut en appliquer en fait toutes les déclinaisons et surtout de rappeler que même si on se retrouve dans la même situation, on est obligé d'augmenter les taux d'intérêt parce que les Américains les augmentent et qu'on n'a pas gagné en autonomie stratégique, que cette augmentation des taux d'intérêt va avoir des conséquences négatives et surtout peut avoir des conséquences négatives sur les perspectives en fait, de développement et d'investissement des entreprises. Il le dit très clairement dans son texte, avec l'implication qui est vraiment le fait que ça, à nouveau, génère une préférence pour le présent et que c'est cette préférence pour le présent qui peut être dommageable puisqu'elle peut inciter les gouvernements à avoir une politique d'austérité. Donc voilà en quelques mots comment j'ai réussi, grâce à tout ce que Jean-Paul Fitoussi m'a appris, à essayer de dresser des pistes sur ce sujet extrêmement complexe. Mais effectivement, pour la dimension qui lui était chère, qui était une dimension protéiforme de la croissance, il nous manque beaucoup. Merci beaucoup, Mathilde, pour ton intervention qui démontre, je pense, l'actualité de la pensée de Jean-Paul Fitoussi, comme tout ce qu'a dit Philippe. Je passe donc la parole à Giovanni Tria, qui était peut-être à cette table le seul qui n'a pas été recruté par Jean-Paul Fitoussi, mais qui était un grand ami, qui est donc professeur d'économie politique, des politiques de l'économie, des politiques économiques, et aussi qui a été ministre de l'économie. Donc, c'est un sujet, pour lui, très facile à aborder. Merci beaucoup, Giovanni. No, I have to thank for inviting me to this, to attend this meeting, this homage to Jean-Paul. I miss him, all of us, miss him. I miss also the continuous exchange of ideas, the direct exchange of ideas on the more crucial matters of our societies and our time. Going to the issue of this on the theme of this session, I think one of the fundamental starting points of Jean-Paul Fitoussi's contribution to the economic policy debate is the continuous reaffirmation that economic growth must be identified with the growth of citizens' well-being. Of course, Annette discussed about good life and well-being, but this is This was the idea of Jean-Paul. And this implies, according to Jean-Paul, to change the measurement, the metric of growth. That is, we need to look not only at GDP, but also at indicators such as the employment rate, education, health, and in general, at the sense of satisfaction and confidence in the future of citizens, which is also linked to the rate of inequality of the society. The second implication is that the achievement of this type of growth cannot derive from policies that start from the ideologization of the role of the market and competition. Ideologization can that bring to the belief that unemployment is basically always voluntary, to the belief as a consequence of the no need, no role for economic policy in combating unemployment, or to the belief that unemployment is only the product of obstacles posed by social protection policies
to the free functioning of the labor market, obstacles that should be removed. On the contrary, Fitoussi was convinced that the market economy works only if there is a state that guarantees a system of social protection. This conviction moves the Fitoussi's polemic against the policies of the European Union, guilty of having placed at the heart of the European Union's economic policy only the containment of public deficits and debts. His resolute attack on the policy of austerity was added to the correct conviction that this drift of European policies is linked to the incompleteness of the construction of European institutions. This incompleteness doesn't allow European monetary policy devolved to a central bank that should presuppose a federal state to be coordinated with a European fiscal policy, because this policy, in fact, doesn't exist and cannot exist in absence of a federal budgetary and fiscal authority and a fiscal central capacity. As a consequence, the European fiscal policy is reduced to the pursuit of the control of national budget deficits. This seems to be an almost dated debate after the policies adopted during the pandemic and the recognition also by European political protagonists such as Draghi and Macron of the mistakes made. But I don't think that this debate is over. It's not over at all, but on the contrary, is today more and more the central political theme. But on the specific theme of our session, which policy for which growth, I would just like to deal here with two important points concerning the difficulty but necessary connection between welfare state, industrial policy, and competition, on which I recall many exchanges of ideas with Jean-Paul Fitoussi. The first point concerns the mistake in which many economists have fallen in the face of the challenge of globalization towards the end of the last century. The mistake was to think that growing competition in global markets induced by globalization in the form of hyper-globalization should be accompanied in advanced countries, mainly in Europe, by the dismantling or sort of the reform of the welfare state with the essential objective of reducing its cost. There is no doubt that the drive to liberalize international trade in capital markets didn't necessarily imply this consequence. But this was the prevailing belief. The other prevailing idea in Europe, and on which the European single market was built, was that protecting competition means banning state aids, and more in general, the industrial policies. The first belief that we have to destroy welfare state was a great mistake, strongly denounced by Fitoussi, because on the contrary, the transition from partially closed economies to more open economies must be accompanied by a strengthening of social protection networks. Otherwise, the consequence is the emergence of a social malaise that, if it doesn't find answers, in fact, produced
populist movements, protectionism, and a kind of anti-globalization sentiment that today supports that currently that this fragmentation of Marxist debt is currently reinforced for geopolitical reasons. In my view, this is the ultimate danger today, because this drift will produce lower growth, higher production costs, and in this way, hardly a reduction of inequalities. The second point I would like to draw attention to is the long-term challenges posed by an additional structural factor for increased uncertainty. This factor is related to the Schumpeterian concept of creative destruction. A recent debate challenged the well-established idea that the contribution of the creative component of innovations on growth, productivity, and employment is much bigger of the effect of the destructive component, at least in the medium-long run. Although this idea has been confirmed by the history of the economic growth, we know that when and where the destruction occurs, and when and where the creation occurs, is relevant in short and medium term, and maybe also in the long term. In other words, we must consider the negative externalities due to the distribution of the destructive effects of innovations across productive sectors, firms, citizens, and countries. This issue demands both a some strengthening and reform of social protection for those left behind by the technological and innovation race. This is an old issue, but this old issue arises in a new and more challenging forms because the new economic environment shaped by innovation in globalized markets increases the risk implicit in any innovation investment. This higher risk comes from both the increased speed of technological change and innovation and the increased speed of its immediate diffusion around the world and consequently of the more accelerated technological obsolescence of previous innovations and investments. That is to say that if the firms that invest in innovation and new technology risk to never be able to reach the break-even in time for a business return because in some part of the world a competitor innovator arrives first, the destructive component of the Schumpeterian competition in this new context can have a growing negative impact also on the investment decision of any potential innovator and investors. One of the consequences is that the risk of investment in innovation, especially at the frontier of scientific and technological progress, can be addressed essentially only by large or very large enterprises, or very small nuance, that is by startups, for example, supported by venture capital, which can be then absorbed, but immediately, by the bigger companies, with a few exceptions, of course. This obviously implies further concentration of capital. There is no definite answer to this mechanism, but it certainly involves changing industrial policy in Europe, including opening to a systematic role for state aids in reducing investment risk in strategic areas for innovation and growth, and having an antitrust approach that doesn't hinder European industrial alliances where necessary, abandoning policies and rules that are increasingly divergent from those adopted by major global competitors. The implication of these two points is a re-evaluation of economic policies in which the two goals of increasing the investment rate and the goal of social inclusion are recognized not only not alternative, but necessarily linked
and not only from the short-term perspective, but also in response to a vision for long-term challenges. This was also the problems, the issues that the F2C tried to deal with. Now, I just want to say that I think that this is the one of the main intellectual legacy that Jean-Paul F2C left us. Now I want to just to announce that la Société Italienne de l'Economie du Développement, on proposal of an amigo, Jean-Paul, Professor Scandizzo, established a prix, an homage of F2C for an economist distinguished for contribution in research on economic of development. It's a kind of gold medal. This is a prix for this year and the next years, of course. Thanks. Merci beaucoup aussi pour cette annonce. Et la parole à Étienne Wasmer. Merci beaucoup. Alors, le mot qui est revenu le plus souvent aujourd'hui, c'était le mot bienveillant. Et c'était le premier mot que j'avais mis sur ma petite fiche. Donc j'ai une proposition à faire, puisqu'on va donner le nom d'une salle à Jean-Paul tout à l'heure, c'est d'appeler la salle Jean-Paul le Bienveillant, comme pour les rois de France ou d'autres souverains. Je ne crois pas que ça ait été pris, il doit y avoir un Louis le Pieux, un Richard le Conquérant et d'autres, mais Jean-Paul le Bienveillant, je crois que ça lui va assez bien. Ça ne veut pas dire qu'il était toujours bienveillant, il aimait bien les débats, il avait un goût prononcé pour la contradiction. Et je crois que c'est pour ça qu'autant de gens brillants, d'une certaine manière, aimaient être à ses côtés, qui sont ici dans la salle, c'est pour le côté challenge que ça pouvait apporter. Alors, il y a deux aspects qui sont, au-delà de ces positions macroéconomiques, qui me semblent intéressantes à souligner, et qui en fait sont assez complémentaires paradoxalement. C'est d'une part le rôle institutionnel qu'il a pu jouer à la fois à Sciences Po, dans les différentes commissions, et aussi par rapport aux institutions européennes et françaises, mais aussi sa vision peut-être des sujets plus microéconomiques qui sont l'éducation, l'enseignement supérieur, les discriminations, pour lesquels il avait un raisonnement qui était parfois, en fait, assez différent de la façon dont il pouvait être perçu dans les débats macro. Keynésien, plutôt à gauche, mais quand il s'agissait de micro et de mécanismes, en fait, il comprenait très bien la façon dont les choses fonctionnaient, il comprenait très bien la logique des incitations des uns et des autres, et il faisait merveille, d'une certaine manière, dans ses commissions. On a parlé de la réforme des droits de scolarité. Il était, c'était un membre du conseil d'administration très respecté, à la fois parce que c'est un des rares professeurs du conseil d'administration, donc sa parole portée par rapport aux grands fonctionnaires de la fonction publique et aux grands patrons, mais aussi il en imposait aux étudiants qui le respectaient. Et dans la réforme des droits de scolarité, je crois que Richard Descoings a pu compter sur son soutien plein et entier, avec toujours un équilibre. Augmenter les droits de scolarité, oui, mais en même temps les faire de façon progressive, avec pour les droits de scolarité annulés, voire inversés pour les étudiants les moins favorisés. Donc il y avait toujours un équilibre. Quand les étudiants de Paris 1 en 2000, je crois, avaient protesté contre l'enseignement de l'économie. Alors, ça arrive tous les 15 ans. Il y a toujours, c'est comme les crises financières. On oublie rapidement les excès et on repart. Donc, les étudiants avaient critiqué vivement l'enseignement de l'économie, trop mathématisé, trop idéologisé. Jack Lang, qui était le ministre de l'époque, a dit « Il me faut quelqu'un de gauche qui soit habile, qui sache naviguer dans ces débats politiques. » Et donc, on va demander à Jean-Paul de faire un rapport sur l'enseignement de l'économie. Alors, Jean-Paul, c'était un intellectuel, mais c'était aussi un universitaire jusqu'au bout des ongles, donc très indépendant d'esprit. Et la première chose qu'il a dite au ministre, c'est d'abord « Je veux des moyens. » Et donc, c'est comme ça que j'ai
pu travailler avec lui, puisqu'il a demandé deux détachements, Jérôme Gauthier qui était à Paris 1 et moi-même pour l'assister dans ses travaux. Et ensuite, il a dit, je veux avoir la liberté totale de mon agenda, je veux pouvoir publier les résultats de nos travaux. Et donc, on va, voilà comment on va travailler. Alors, c'est un sujet très politique, parce que les étudiants, quand ils commencent à s'animer, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Et donc, Jack Lang et son éthique étaient très inquiets. Donc, on fait une première réunion au ministère, devant le directeur de cabinet, tous les conseillers, des directeurs d'administration. Il fallait au moins 4 ou 5 conseillers. C'est comme pour Mbappé, il faut 3 personnes pour cornaquer. Donc là, on était vraiment surveillés. Et la réunion, en fait, ne se passe pas extraordinairement bien. On sent bien qu'il y a un corset qui est là. Donc Jean-Paul dit merci pour la réunion. Et les prochaines auront lieu à l'OFCE. Et c'est nous qui allons mener les débats. Et on a fait venir donc un certain nombre de personnes, de personnalités du monde académique, pour parler de l'enseignement de l'économie. Et c'était passionnant. Les anciens universitaires français, Jean-Luc, Rodolphe et plein d'autres, on a eu le plaisir de rencontrer Ned et plein d'autres. Je me souviens en particulier de Bob Solow qui était venu et qui avait expliqué qu'au MIT, on prenait l'enseignement de l'économie très au sérieux, que Paul Samuelson était de toute façon meilleur que tout le monde dans toutes les dimensions. C'était un meilleur administrateur, c'était un meilleur chercheur et c'était un meilleur enseignant. Et donc il y avait une espèce d'émulation, il fallait faire les meilleurs cours possibles. Et tout ça, ça marque beaucoup quand on est jeune et on se dit, voilà, voilà des modèles qui sont intéressants. Donc on fait ce rapport et on arrive à quelques constats qui sont intéressants. Le premier, c'est que la spécialisation précoce en filière universitaire d'étudier l'économie dès la première année n'est pas une bonne idée. Le modèle un peu plus liberal arts college est assez intéressant. Deuxième idée, mettre les cours en concurrence. Donc les biologistes vont faire un grand cours, les économistes vont faire un grand cours et que le meilleur gagne, les philosophes font un meilleur cours et ensuite on spécialisera progressivement. Troisième idée, ça c'est vraiment la marque de fabrique de Jean-Paul, c'est enseigner les débats et les contradictions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il enseignait déjà à Sciences Po depuis longtemps. Et puis, quatrième idée très radicale, donner en fait aux enseignants le temps de préparer ses cours. Et la grande difficulté dans le système universitaire français, c'est que tout le monde était payé à peu près la même chose et avait le même temps de travail, que ce soit un cours pour 10 personnes en master ou un grand cours de 1000 personnes qu'il fallait animer et qui demandait beaucoup plus d'efforts. Et donc ça, c'est vraiment les régulations microéconomiques. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que, bien sûr, un très grand cours est passionnant, mais il faut avoir le temps de le faire. Et on demandait aux gens, mais comment vous avez le temps de le faire? Ils disaient, ah non, on ne peut pas le faire, on n'a pas le temps. Bon, c'est trop compliqué. Et donc, on présente ce rapport à Jack Lang, et ça se passe pas très bien, parce que Jack Lang dit, ah, formidable, mais est-ce que les syndicats sont d'accord? Et Jean-Paul répond, mais ils seront forcément d'accord, parce que l'idée, c'est que tout le monde ait plus de temps et que les salaires augmentent, mais en même temps, en les différenciant, il faudra que ceux qui fassent les grands cours puissent avoir une rémunération qui corresponde à l'investissement que c'est fait. Donc, on voit bien que le rapport ne passe pas très bien, on se dit en sortant de là que ça va être enterré très rapidement, et Jean-Paul, très rassurant, nous dit, mais non, mais on travaille pour les 15 ans à venir, vous allez voir, c'est ce qui va se faire. Et en fait, non seulement ça a été fait rapidement, mais ça a été fait dès 2007, puisqu'il y avait l'idée à la fois d'autonomisation des cursus, des universités, et un peu de flexibilité dans l'organisation du temps de travail. Donc, ça a été fait par Pécresse en 2007, c'était déjà fait à Sciences Po. Richard, évidemment, Descoings s'est emparé de l'idée, et on a commencé toutes ces choses-là, et c'est ensuite par décret que les choses ont été régularisées. Mais donc, c'était assez précurseur, et c'était vraiment des idées qui étaient plutôt de régulation interne des marchés. Il y avait ce paradigme, ce débat dans nos discussions entre la régulation externe des marchés, et Jean-Paul était convaincu qu'il fallait une régulation externe au niveau macroéconomique. Pour ce qui était de la régulation interne, en matière microéconomique, il était plus, je pense, il faisait plus confiance aux acteurs, sous réserve qu'ils aient les bonnes incitations. Sur le rôle institutionnel, donc effectivement, il avait un rôle de déminage assez fréquent, j'en ai déjà parlé, sur la réforme des droits de scolarité, avec toujours un équilibre. Pour ce qui est de la gestion de la dette, je ne sais pas si Xavier Timbaud est encore là, qui se demandait s'il avait eu une influence sur Jean-Paul. Je pense que oui. Et quand on a commencé avec mon collègue Alain Tranois à nous intéresser aux actifs en France de la comptabilité nationale, c'est une comptabilité nationale qui répertorie tous les actifs, le capital, le logement, les terres, etc. Jean-Paul m'a rappelé qu'il y avait un travail de 2006 de Xavier et Thomas Mélogneau, je crois,
qui parlait du capital immatériel, qui étaient des idées qui montraient qu'au regard d'une dette importante, il y avait des actifs importants, les bâtiments publics, l'éducation, le niveau d'éducation du pays, etc. Et donc, il fallait relativiser les choses. Voilà. Alors, l'inflation a eu le bon goût d'attendre, avant de se manifester, que Jean-Paul ne puisse plus défendre les positions qui étaient les siennes sur la dette. Mais je dois dire que pendant 20 ans, je lui ai toujours dit, mais j'ai quand même peur que les taux d'intérêt ne puissent pas tenir, qu'on va forcément, avec cette dette, finir par les voir remonter. En réalité, pendant 20 ans, ils ont été très bas, et heureusement qu'il y avait des gens comme Jean-Paul pour dire en 2007, en 2011 et en 2020, il fallait massivement intervenir. Donc voilà pour cette préscience. Maintenant, en termes de politique publique, s'il fallait se prononcer sur ce qui serait, disons, les choses pour une politique de croissance, je crois que Jean-Paul avait toujours compris qu'il fallait jamais décourager l'effort. Et en matière de fiscalité, par exemple, au regard de cette dette, il faut quand même des contributions pour pouvoir la rembourser. Je crois qu'il était assez d'accord au fond que taxer plus le capital n'était pas une bonne idée. De même que taxer l'immobilier lorsque c'est un immobilier d'investissement, c'est pas forcément une bonne idée. En revanche, vous avez en France une richesse formidable, comme d'ailleurs en Angleterre, qui est basée sur les actifs non produits, et en particulier la terre, qui représente plus de 3 fois le PIB maintenant. Et petit scoop de l'INSEE, les chiffres qui sont sortis il y a quelques semaines, depuis 2019, la valeur de toutes les terres en France, qui représentait 7 000 milliards en 2019, est maintenant de 9 000 milliards. Et en plus, avec des réévaluations successives qui sont importantes. Donc, dans nos débats sur la taxe foncière, quand on dit « Oh, c'est horrible, la taxe foncière augmente de 50 %», la taxe foncière à Paris, c'est 0,16 % de la valeur des actifs. Il y a encore un peu de marge de manœuvre pour la taxer, parce qu'en réalité, ce sont des valeurs d'actifs pour lesquelles les gens n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Autant on peut dire quelqu'un qui aménage des biens immobiliers ou qui investit, on ne veut pas forcément décourager cet effort, ni l'innovation. A contrario, quand on bénéficie de gains en capital énormes parce qu'on est un endroit qui a pris de la valeur sans qu'on fasse grand-chose, là, on a quelque chose qui est éventuellement beaucoup plus facile à mobiliser. Donc, je pense qu'il avait cette espèce d'énorme bon sens qui permet à la fois de ne pas dire de bêtises en macroéconomie, de sentir un peu les choses, et de la même façon, au niveau microéconomique, de comprendre en fait les gens. Il comprenait les gens, il comprenait comment ils fonctionnaient, il en tirait des conclusions sur ce qui pouvait être fait et ne pas fait, mais avec toujours un grand courage. Autre chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est sa capacité à la fois à être gentil avec les gens qui étaient pas important par rapport à lui, et en même temps pouvoir s'imposer assez régulièrement dans des débats avec des gens très importants, avec un talent pour leur dire non mais non. Et des grands journalistes, des hommes politiques, il imposait à la fois par sa présence et son savoir, et les gens étaient toujours très, très respectueux, j'ai trouvé, et c'était remarquable, je trouve. Voilà. Effectivement, il a recruté plusieurs d'entre nous, en l'occurrence, pour moi, d'ailleurs, comme pour Philippe, 2 fois, une fois comme président du jury de l'agrégation et une 2e fois à Sciences Po. Et je crois qu'il a formé un très bon tandem avec Richard Descoings, qui se faisait confiance réciproquement. De temps en temps, ça ne se passait pas toujours bien, mais c'est normal. Mais si Richard et Jean-Paul n'avaient pas été là, je crois que Sciences Po aurait été très, très différente. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a répondu à la question. En tout cas, ce qui émerge, c'est que la proximité humaine et intellectuelle de Jean-Paul Fitoussi était et est très enrichissante. Je laisse la parole à Marc Lazare à la prochaine séance Europe, économie et démocratie. Bonne chance.